Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle diffusion de Dead Rising 2. Alors je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais non, ça a l'air d'être bon. Voilà. Oui, donc, comme je le disais, encore une nouvelle diffusion sur Dead Rising 2, étant donné que j'ai terminé le premier la semaine dernière. Et du coup, vu que demain on est un jour férié, maintenant les veilles de jour férié, je fais Dead Rising. Excepté mercredi. Alors, check l'exemple à suivre. Ok. Par contre, je vais savoir. Parce que je me plante un peu dans tout. C'est que je sais pas si je suis sur la bonne sauvegarde ou pas là. C'est un peu ça le problème. Je pense que oui, mais bon. Voilà. Faut que je prenne les grandes boxes. Faut que je prenne le couteau sur le dessus. Et voilà. Il faut que je me fasse au moins ça. Certaines choses, j'essaie de faire la mission. Voici les concurrents. C'est pas ça. Oui, je donne des coups de poing, c'est génial. Voilà. Prendre un peu de temps pour battre un boss et sauver deux personnes. J'avais chaudé. Alors lui, je le laissais totalement tomber. Mais franchement, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait cette partie-là. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur le menu. Et je vais regarder sur la deuxième, parce que ça m'étonne assez quand même tout ça. Parce qu'il me semblait que j'avais dit que je laisserais tomber le... Ah bah voilà. Si, c'est celle-là de sauvegarde. Voilà. Donc voici les concurrents, Charles Chaudet et check l'exemple. Hein. Voilà, donc je dois avoir Snowflake. Voilà. C'est bon, je m'y retrouve.
Hop là. Donc les ruraux en goguette, je les laisse tomber. Et je vais aller m'occuper de Train d'enfer. Alors, c'est quoi? Cellule grise enquêtée sur les geeks dans un magasin de sauce plaza. C'est où ça, sauce plaza? Ah d'accord, ils sont là-bas. Bon, faut que je... Faut que je panne là. Et que j'aille... Je peux pas encore sortir. Ouais, c'est... Faut que je sorte et que je rentre là-dedans. Ouais, bon. Ça fait trop court. Oh bah, adieu les geeks. Ça pourrait presque avoir comment une consonance raciste quand même quand on utilise la batte de baseball sur certains gars quand même. Bon. Il y a une page de sang à l'écran. Allez toi. C'est trois fois que je te fous par terre. Ah zut. Bon bah c'est tout. Alors ils me disent de sortir. Ah bah oui. Bon, faut pas que j'explose le micro non plus hein. Il faut que j'aille à l'heure tant qu'il y a casino. C'est bizarre, ça m'a fait un bruit bizarre. Seul coup de poulet. Okay. Bon. Ah, les poissons, ils sont morts. Un cocktail. Hop.
Alors, ce qui est marrant, c'est que dans celui-ci, bon, je pense que ça va être pareil dans l'autre. Mais quand on boit trop d'alcool, le personnage se met à vomir. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Où je vois des pillards ici, quoi. Bon, après, peut-être que je me suis pas trop cassé la tête là-dessus aussi, quoi. Bon. Mode Wolverine là. Les bruits de mitrailleuse dans le coin. You made it out. After that pathetic performance you gave last night, I thought for sure they'd find you lying dead with a load in your shorts. Show Chucky how the game is really played, boys. Je prends un petit coup.
Et voilà. Ça en fait déjà deux, trois en moins. We got enough to do the job. Let's go. Damn it, TK. J'ai raté cette rampe-là. Ah, j'ai raté l'autre. Était suffisant. Un peu plus d'élan que ça. Ah, c'est dégueulasse ça, j'étais pile sur le truc quoi. C'est que c'est quand même une course poursuite en réseau fermé quoi. Voilà. Hey, which one of you bastards was throwing the junk at me? Je l'ai pas tué lui. Bon. Voilà. Comme quoi, ça sert toujours d'avoir du jus d'orange.
enjoying the land of opportunity, Chucky. You framed me. That footage was fake. Don't be such a downer, baby. I made you famous. I'm not playing your games, TK. You're coming with me, and you're gonna tell the whole world that I didn't do this. Oh, I don't think so. What can I say? The camera loves you, Chucky. He's the one behind this outbreak. The host of that horrible show? Yeah. He was moving equipment using the trains, but I have no idea what it's for. He's up to something. Something big. This isn't over yet. Chuck, that's gonna have to wait. Katie is going to need more Zombrek soon. Okay. Thanks. Je sais pas si je l'ai le Zombrek, là. C'était celle-ci. Je regarde sur celle-là. Ok, donc Boom City, ça c'est plus tard. Mode industriel, sauver les ouvriers. Ok. Qu'est-ce que je peux construire là-dedans? Bah, oui, c'est. Ça m'en fera deux comme ça. Wicked. Sortie, c'est par là. Ah, il avait une perceuse, lui. Je vais prendre. Ah, c'est ça. Bon. C'est mode industriel, là, c'est par là. Ah, c'est j'ai un son break, c'est bon. Oui, bon, c'est bon, elle l'aura sans ombrex. Got any updates? Sweet. Oh vache. C'est par où la sortie? C'est par là, non?
Non, c'est dans le sens inverse en fait. Keep moving. Okay. Hurry up. Keep it moving. Follow me. Keep moving. Keep close. Follow me. Keep going. Keep it moving. Keep going. Bon, faut dire que je cherche un peu les zombies quand même, mais bon. Keep close. Agreed. Stick close. Don't fall behind. Let's go. Voilà, je suis bientôt arrivé. Hurry up. À la sortie. Come on. Completely. Stick close. Keep going. Ah, super, hein. L'autre il arrive quand même. Voilà. Je vais aller prendre la voiture qui est là-bas. Et ça va être nettement plus pratique pour... ça me fait quelques points d'expérience en même temps. Alors, est-ce que l'autre à proximité? Oui, c'est bon. Ça c'est bien, on a un petit symbole indiquant que si les personnages sont à proximité ou pas, c'est vraiment appréciable. Move it. Sure. Stick with me. Keep it moving. Ah. Keep close. Okay. Come on. Still there? Move it. Stick with me. Come on. Still there? Don't fall behind. Faster. Stick with me. Keep going. Stick to me. Stay close. Faster. Don't fall behind. Stick with me. Still there? Stick with me. Keep close. Bon, je sais que ça paraît chiant de stick to me. De toujours le faire parler, stick mais au moins keep je suis moving. Sûr que les survivants ils freinent pas. Don't fall behind. Keep going. Still there? This way. Keep it moving. Faster. Come on. Ah là. Stay close. Absolutely. Keep moving. Stick to me. Come on. Keep it moving. Ça, j'ai passé le niveau. This way. Follow me. Keep moving. Follow me. Hurry up. Follow me. Bon bah ça, au moins elle traînera pas derrière l'autre. Voilà, on arrive à destination. Alors...
Donc là, je vais me friter contre un boss. De toute façon, là, je pense que je vais devoir faire 2 ou 3 boss avant de continuer un peu. C'est quoi Star du Rock? Ah si, je pourrais faire cela aussi. Alors pour aller plus vite, ouais, faut que je passe par l'Americana Casino. Alors, voilà. Ah, qu'est-ce que j'adore l'épée. C'est vraiment l'une des armes les plus radicales, quoi. Comme ça, je suis tranquille et ça m'a fait quelques petits points d'expérience. Bon, faut quand même que je garde Faut que je garde au moins un profanateur parce que ça va me servir contre un autre boss. Oh well, looky here, if it ain't little Chucky Queen. Didn't get enough of me yet? Come back for my autograph? Oh, I bet you just get rock hard thinking about me at night, don't you, Chucky? You come to throw your panties at me? Whatever, buddy. Look, I can take you to the bunker where it's safe. Bunker? Where it's safe? Man, you are a pussy, aren't you? I used to follow you when you did motocross. But look at you now. You're a broken man. You just don't got it anymore, do you? What's your problem? Are you such a chump, Chuck? Hey! Over here! I'll race you for him. Zombie. Yeah, no shit, Chuck. Twice the points. Harder to hit because they move around so much. You bastards. You're crazy. This isn't a game. You're right about that. That was just practice. Now, it's a game. Terror is reality, baby, for real. Live in Fortune City! I've always wanted to take you down, chump. But you need some wheels, Chucky. Don't keep me waiting. Thank you.
gear up. C'est bien mon grand. Bon, je sais pas où il est barré. Réussir à le coincer sous le porche de l'Americana, je crois. J'aime bien le jeu de mots en anglais parce que you're on fire, ça veut dire qu'on est comment. Alors, champion de motocross, il peut modifier à loisir toutes les deux roues, apporte une moto à l'établie, les armes ou la repeindre, tester différentes combinaisons pour obtenir une moto unique. Okay. Donc You're on fire, ça veut dire qu'en gros qu'on est le meilleur, mais voilà, c'est un mauvais jeu de mots avec le fait qu'il soit réellement en feu quoi. Oh bah, je vais pouvoir me refaire encore une paire de gants ouais. Ah oui, ils sont des armes combinées.
Ah, j'ai oublié de me remettre d'avis. Okay. Ça, c'est un truc, ça rajoute juste des points d'expérience, quoi. Que je n'en ai pas laissé un en arrière, sinon ce serait assez ennuyeux. Non, ça va, ils sont tous là. Voilà. Ah la vache, hein, comment j'ai reperdu de la vie, quoi. C'est bon, hop, par là. Faster, keep going. You go. Voilà. Voilà, il y a la chanteuse qui a un problème, on dirait. Zut, où est-ce qu'elle est ? Je l'admets. Hop là. Keep going. Faster. Keep it moving. Hurry up. Move it. Hurry up. Keep it moving. Hurry up. Keep it moving. Voilà. Stay over there. How's Katie doing? Oui. Hop. Cool. Allez, je vais prendre. Il me reste encore suffisamment de temps. Let's do this. Voilà. This way.
Alors Charlie Chaudet par exemple, je vais pas le faire parce que c'est un mec qui a besoin de Zombrex. Ça j'avais déjà dû le dire dans la, dans la précédente vidéo. Guitare. Nice. Allez. All done, kiddo. You feeling okay? I'm sorry. Sorry for what? Always have to do stuff to get my medicine. Weird stuff, like that dumb show. I wish there was a better solution. Hey, don't worry about that. You're my best girl. I'd do anything for you. I still can't believe you were on that show. It's so cruel. Yeah, I know. But I didn't have a choice. Listen, there's really not much we can do now except wait. I'll call you if I see anything. Voilà, prochain dossier à 10h du matin. Bon. Alors, je pense que ça ira avec un seul. Ah oui, je sais que je t'ai sauvé la vie. Là, j'ai plusieurs choix entre aller combattre un boss là, aller combattre un boss là. Et j'ai que c'est de choisir Chaudet que je n'en ai rien à faire. Ah oui, c'est vrai que je m'étais un peu mal avancé lors de la précédente diffusion. J'avais précisé qu'il y aura une reine, et en fait on ne l'a pas vue. Et en fait c'est là la reine. Il y a un truc que je peux faire qui peut être très très bien, c'est montrer un endroit où se trouve du Zombrex, parce qu'en fait il en faut, je sais plus s'il en faut 3 ou 4. Mais en fait le mieux c'est quand même d'avoir du Zombrex gratuit. Oh.
il faut aller au truc BBQ là-bas. Oh, il y a de l'argent là. Bon, 200$, c'est toujours mieux que rien. Il faut aller au BBQ Shack, on monte à l'étage. Ici et on passe de lumière en lumière. Alors faut faire attention à certains sauts parce que voilà. Là c'était, fallait que je passe sur ce point là, mais bon. Le truc c'est que voilà. Non, on entend des voix de personnages, mais y a rien. Voilà. Donc, là, c'est après quasiment qu'en ligne droite. Voilà. Et on trouve du Zombrex. Accessoirement, on peut aussi prendre ce truc-là, hop, descendre et retourner voir. Ça fait partie des divers jouets à lui ramener. Donc je rappelle que Snowflake fait partie des jouets à lui ramener. Voilà, bon. Alors, quel est ce choc l'exemple à suivre? Eh bien, je vais déjà combattre ce boss-là. Niveau 16, niveau 15. Bon, bah, ça va être celui-ci. je vais quand même boire un coup. Pour manger une pomme. Voilà. Je ne sais plus si j'ai encore de la place pour prendre l'épée ou pas. Non. Bah. Ah, ça me tue la longe qu'ils ont, quoi. C'est ahurissant. Ah.
ça fait un peu cracra, mais bon. Voilà. Ah, je peux pas utiliser les toilettes d'ici pour sauvegarder. Ça, c'est un peu bon, par contre. Non, c'est pas grave. Je vais chercher un truc à côté. Si j'avais pas vu, je serais mort. Eh ouais, tu t'es fait bouffer la tronche, mon grand.
je... Bon, c'est tout. Come on! Là, je peux rien faire avec elle. Bon, c'est tout. M'aider là-dedans. Une fusée crépitante. Ça. Hop. Exactement. Voilà. Bon, ça me montre à quoi servent encore certaines cartes. Move it. Hurry up. Voilà. Stick with me. Bon, alors. Bring it on. Faster, keep going. Let's go. Ah bah ça, j'ai 31 600 $, mais. Keep it moving. Don't fall behind. Stay over there. Thanks, handsome. Ah, je viens de lui sauver la vie. La seule chose qu'elle demande, c'est est-ce qu'il y a des énergies renouvelables? Qu'est-ce qu'il me reste? C'est un coup de poulet. Quoique non, je vais peut-être pas faire ça. Le truc c'est dans un quart d'heure. Je vais plutôt faire un peu d'expérience. En attendant.
Ah, il y a un truc à regarder là. Ah d'accord, c'est comme ça que l'on... Ce qui m'étonne, c'est que personne n'est étonné qu'il y ait un tigre dans, dans la salle de repos. Are you sure? He admitted it to my face. But that's not possible. Why would he let his own zombie supply loose? Sabotage his own show. I saw him with my own eyes. So you say. Is that who your source is? TK? Don't be ridiculous, Chuck. Whoa, what was that? Sounded like it came from outside. Looks like someone might be messing with the casino vaults. I can't tell who it is, though. Then I'd better get out there and find out for myself. I don't know if she's really brave or just really stupid. C'est bon comme ça. Hop. Voilà. Bien. Maintenant, le but, ça va être d'arrêter les casses. Hein. Non, je vais garder ça avec moi-même, c'est moins solide. Pour arrêter les casses, Hi. En fait, on les fait dans l'ordre que l'on veut, quoi. Sachant que moi, je suis quand même l'Americana en premier. Que ce soit le plus près. Voilà.
choses en moins. How's it going? Voilà. Alors, je suis ici. Ensuite, il faut que j'aille au slot point, je crois. Donc là, c'est un peu à l'opposé, je dirais. Éviter de trop utiliser mes armes histoire de les économiser. J'essaye même pas de faire de coups de pied sauté étant donné que ça me donnera un coup d'épée. Ça c'est quoi? Monde piété? Ah, il y a un monde. Ah oui! Oui, c'est bon. Non, c'est pas le monde piété ça! Ça c'est une sortie. Les toilettes sont ici. Ok. L'autre, je sais pas, ah si, je l'ai tué. Voilà. Je vais prendre un peu de pizza. Non, c'est le profanateur que je veux. Voilà. Alors tout à l'heure, j'ai fait le... Comment ça s'appelle? J'avais fait la... Ah zut, comment ça s'appelle? Le fauteuil roulant avec la batterie électrique. Ce qui est tout aussi marrant à faire, c'est le fauteuil roulant avec des mitraillettes. Et il me semble qu'il faut que ce soit un fauteuil roulant électrique.
je vérifie toujours s'il y a des affiches de films. Alors maintenant, je vais aller au Yucatan. Oui, parce qu'apparemment, il n'y a pas d'autre endroit où je puisse... Quand il coupe en deux, ça me fait trop penser à la série Gavan. On connaît plus sous le nom de Xor. Quand il coupe en deux ses ennemis. Et moi c'est Gavan. Voilà, $2500 en plus dans la poche. Would want to eat this. How dare you! I'm Antoine! I am the king of cuisine! No matter. This can still be a once-in-a-lifetime meal, so sit, relax. Antoine will make you dinner! C'est fou les jeux de mots qui sont mal traduits quand même. Thank you.
aussi ici. Chercher à bouffer à côté. Ah oh non, là c'est n'importe quoi. Bon, c'est tout. Bon bah pour ce soir, je vais arrêter là. Bon, c'est pas non plus une grosse défaite à mon sens, parce que bon, je me suis peut-être un peu mal pris quoi. D'ici là, voilà, n'hésitez pas à me soutenir sur Facebook, à me suivre sur YouTube et sur Twitch, comme d'habitude. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée. Et donc, comme je l'ai indiqué sur mon Facebook, dans la semaine, je ferai une présentation du jeu Senran Kagura versus Estival. Un petit jeu moe, ecchi, japonais. Voilà, avec des filles ninja en maillot de bain. Et Dead Rising, je sais pas si je vais en faire un demain soir, mais j'en ferai un sur jeudi soir. Voilà. D'ici là, passez une très bonne soirée et un très bon 8 mai. Et à très bientôt. Au revoir.